jour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Ma cousine a appliqué aloe vera à ses cheveux et maintenant elle a des cheveux énormes. Gel d'aloe vera a une grande capacité à pénétrer les mèches de cheveux. En outre, grâce à sa haute concentration en nutriments, il fournit tout ce dont les cheveux ont besoin pour être en bonne santé. Cet ingrédient est capable d'affecter positivement les follicules pileux, nourrissant les cheveux de la racine à la pointe. De la même manière, il protège le cuir chevelu et le maintient en bonne santé à tout moment. Aujourd'hui, nous voulons vous parler d'un traitement capillaire naturel que vous pouvez préparer à base d'aloe vera. En utilisant ce traitement, vous réaliserez que vos cheveux sont propres et soyeux. Par conséquent, si vous voulez profiter de tous ces avantages, faites attention à l'utilisation de l'aloès dans vos cheveux. Tout d'abord, vous devriez prendre un centime d'aloès et enlever toute la peau, en restant seulement avec le cristal ou aussi appelé gel. Pour certains remèdes, vous pouvez utiliser le gel directement, dans d'autres cas vous devez le liquéfier ou extraire son jus. Une fois que vous avez le cristal d'aloès dans vos mains, vous pouvez procéder à la préparation des remèdes suivants. Les remèdes naturels pour les cheveux à base d'aloe vera. Pour hydrater les cheveux. Prendre un bar oblique et 2 tasses de verre d'aloès et mélanger avec un bar oblique 4 tasses d'huile d'amande ou d'olive. La substance résultante doit être appliquée sur votre cuir chevelu et vous devrez le laisser agir pendant 20 ou 30 minutes. En faisant cela, vous réaliserez que votre tête conserve l'humidité naturelle dont vos cheveux ont besoin. De cette façon, vous le garderez en bonne santé en tout temps. Nutriez les cheveux. Dans ce cas, vous allez verser le jus d'aloe vera dans un nébuliseur et vaporiser sur les cheveux pendant 30 minutes avant de vous laver les cheveux. Vous pouvez également liquéfier le gel d'aloe vera et le mettre dans une bouteille avec un spray, de sorte que, avec cela, vous pouvez étendre le liquide dans vos cheveux. Ensuite, peignez vos cheveux afin qu'ils soient couverts uniformément. Vous pouvez également mélanger la pulpe de l'aloès avec le conditionneur ou le shampoing de votre choix. En faisant cela, vous serez en mesure de lutter contre la chute et de stimuler la croissance des cheveux. De plus, vous donnerez beaucoup de brillance et de douceur à vos cheveux. Après avoir utilisé ce shampoing, vous ne voudrez plus en utiliser un autre dans votre vie à cause de son efficacité. Pour le préparer, vous aurez besoin de 3,5 onces d'aloe vera, un bar de savon neutre et 750 ml d'eau propre. La première chose à faire est de verser l'eau dans un grand récipient. La prochaine chose que vous devez faire est de râper le savon et de le jeter dans le même contenant que vous avez jeté l'eau. Ensuite, vous mettrez l'aloès à ébullition en petits morceaux pendant environ 15 minutes. Le pot doit être couvert pour faire de l'herbe plus vite. Épuisez les 15 minutes, vous éteindrez le feu et le laisserez refroidir. La prochaine chose que vous ferez est de mettre la substance dans le même récipient où vous mettez les autres ingrédients. Enfin, vous devrez mélanger très bien jusqu'à ce que vous obteniez une substance homogène, jusqu'à ce que le savon ait été dilué et que vous deviez faire ce mélange dans une bouteille de shampoing vide. Pour garder ce que vous devez garder dans le réfrigérateur. Donc, si vous voulez avoir de longs cheveux soyeux et beaux, vous savez ce que vous devriez faire. Préparez l'un de ces remèdes et vous remarquerez les résultats dans un court laps de temps. Nous vous assurons qu'après les avoir utilisés, vous ne voudrez plus cesser de les utiliser. Il est conseillé d'utiliser l'un de ces mélanges au moins 3 fois par semaine afin que les résultats soient optimaux. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. Merci de nous avoir visités, n'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.